Allez, bonjour, Jocelyn. Salut Michel. Eh bien, on est en game, là, ça sera diffusé en replay au stade de Riem pour assister à cette finale challenge régional 2 entre Ouvrier Cuxac et l'US Aspoise. Super match, Jocelyn. Eh ouais, on arrive à la fin de la saison. C'est le dernier match, c'est la finale du championnat de France. Comme on dit, bah, c'est aujourd'hui que tout se paye. Hein. Ouais. Mais on va pas tarder là, si tu peux mettre la composition des équipes. Avec grand plaisir, allez, je t'envoie ça. On commence par la composition de Louveillan Cuxac Salel. Alors Louveillan Cuxac Salel, ça sera première ligne. Numéro 1, Kossat Thomas. Numéro 2, Carré Ravissa. Numéro 3, Bess Julien. Numéro 4, mais il portera le 18, Boro Loïc. Numéro 5, Théron. Numéro 6, Capitaine Nubila Théo. Numéro 8, Malirac Sébastien. Numéro 7, Frère Nicolas. Alors charnière, numéro 9, Kozik, Gabriel, à ouverture, Gongoza, Jean-Baptiste, Ozel, Susillac, Kevin, au centre, Roujas, Clément, 13, Trévaillé, Hugo, et le frère du 11, Susillac, Kylian, en 14, Belot, à l'arrière. Les remplaçants, Atiel, Clément, 16, 17, Madrid, Jérôme, 4, Delphine, Jordan, 19, Gisper, Quentin, 20, Beg, Pierre, 21, Maïchon, Marvin, 22, Garcia Louis, les coachs Mestre, Christophe et Arturo Bertrand. Parfait, merci Michel. On va passer maintenant à la composition des Béarnais de l'US Aspoise. En numéro 1, pilier gauche, Delevi James. En numéro 2, Bouygues Gabriel, le talon dans la cage. En numéro 3, Roublan Fabien. Numéro 4 et capitaine Lassalle Thibault, le premier de la fratrie Lassalle. Vous allez voir, ils sont prêts aujourd'hui sur le terrain. En numéro 5, à l'attelage également, Roublan Corentin. En 6, Bonny Clément. En 7, Elgoyen Pierre. En 8, le deuxième Lassalle, Amaury. À la charnière, 9, Bugat Adrien. Et 10, Osso Franck. En 11, Karasoumé Jérôme. En 12, le dernier des frères Lassalle, Geoffrey. En 13, Purs Louis. 14, Superbat Thomas. En 15, à l'arrière, Perruto Thomas. Les remplaçants, on va avoir en 16, Areteg. En 17, Esparvens. 18, CD. 19, Schoer. En 20, Mirandret Sylvain. En 21, Toulet Simon. Et en 22, un autre Mirandret, Vincent. Les coachs, Casaviel, Irving, Country et puis Yoko. Les arbitres du match d'arbitre de la rencontre sera M. Collier Julien, assisté de Florian Capel et de Souquet Aurélien. Bon, là, moi, si c'est un grand match, alors c'est pas un bouclier, là, on a vu que la coupe, c'est une espèce de coque. C'est un trophée. Un trophée, voilà. Un trophée, voilà, exactement. Un trophée. En forme de coque. En forme de coque, on ne sait pas s'il va finir la soirée. Joker, peut-être qu'il manquera quelques plumes d'ici quelques heures. En tout cas, aujourd'hui, il est super affluent. C'est alors les rouges et blancs, ce sont les Béarnais. C'est ça. Et après, les oranges et bleus, ce sont les couleurs historiques de Louveillan Cuxac. Ouais, hein. Salel, c'est un trio de Septimanie. Le Grand Narbonnais, on va dire, donc voilà, c'est l'Aude contre le Béarn. Et pas le Pays Basque, parce qu'on a eu un Simponé justement qui est originaire du Béarn, qui est venu nous le dire. Il nous avait envoyé un message, un gentil message à Cyril Réuni. Donc, bien sûr, alors qu'on assiste. Alors que oui, les joueurs viennent de rentrer avec le capitaine Thibaut Lassalle pour l'équipe du Béarn, l'US Aspoise. Voilà, ça rentre. Hein. Ouais, ça rentre, voilà. Le public béarnais qui fait entendre sa voix, ses tambours. On attend l'équipe hondoise. Il doit être dans le couloir. Voilà. On va pas tarder à rentrer là, on a eu la chance de manger pendant le discours d'avant match. Hein, c'était assez émouvant d'ailleurs pour l'équipe de Douveillan, ouais, vraiment, ils nous ont laissé assister à ces moments si particuliers quand même. Moi ça m'a donné les frissons hein, quand même. Ah, c'est des moments rares hein, quand tu joues au rugby. Les discours des entraîneurs, fabuleux. Ça nous l'a mis de rejouer, hein, tu me dis, mais ouais, c'est vrai. Heureusement qu'on n'y est pas quand même, hein, parce qu'aujourd'hui, vu le temps qu'il fait, il fait une chaleur épouvantable. Hein. Ouais. Par contre, un beau stade, hein, c'est vrai que. Très beau complexe sportif. Ouais, avec Joli pelouse. Et voilà, l'entrée des joueurs d'Ouveillan, le capitaine en tête. Alors on a vu qu'il y avait quand même des joueurs qui avaient des coupes particulières, en bleu, en jaune, c'est la fête. Hein. Ben, c'est une manière, comme on l'a dit, comme tu le dis, c'est la fête, hein, c'est le dernier match de la saison. Quoi qu'il arrive derrière, que tu sois champion ou pas, la saison s'arrête là.
c'est une aventure, un chapitre, c'est un livre une saison, hein. Ouais, donc, plusieurs chapitres, c'est un chapitre qui se clôt, avant d'en ouvrir un autre la saison prochaine pour certains, pour d'autres c'est un livre carrément qui s'arrête parce que certains malheureusement m'ont arrêté, soit par l'âge, soit par choix perso, donc du coup c'est une manière de se resserrer, de scinder le groupe, c'est des petits trucs un peu festifs qui permettent à un groupe de savoir comment on y vit ensemble. Quoi. Alors c'est Louviac Lisa qui va prendre le coup d'envoi par l'ouverture Bongoza Jean-Baptiste. On a vu l'échange des fagnottes des deux capitaines, Thibaut Lassalle et du vaillant capitaine Ouveyane Kuxaké, je ne sais pas comment il s'appelle. Les Odois. Ubeda Théo. Voilà, les Odois, on va dire, de Septimani. Voilà. Voilà, donc on va assister à un grand match, je le sens. Ça sent vraiment ça sent bon les phases de finale, ce match. Ça sent bon les phases de finale. Allez. Allez, Gongouza qui s'apprête à donner le coup. Allez, c'est parti pour 80 minutes. Allez, c'est parti. Allez, à la réception, c'est Thibaut Lassalle. Thibaut Lassalle qui récupère le ballon. On se fait une cocotte autour de lui. Le ballon va sortir propre, certainement pour Bugat Adrien. Et on fait une cocotte, ça déroule. Ça déroule. L'arbitre annonce premier arrêt. Allez, Bugat qui va certainement écarter pour Osso Patrick. Et ça tape. Il tape, il va trouver une touche certainement directe. On va avoir déjà une première entrevue à touche avec le lancier de Vincent Carrière pour Ouvrir Cuxac. On va voir un petit peu ce que ça donne. Alors déjà l'équipe de l'US Espoir mis sous pression de cette équipe. Qui joue ça complexe. On sait qu'ils ont eu une demi-finale difficile quand même la semaine dernière. Après prolongation, 21 à 20, je crois qu'ils ont gagné 21 à 20, contre le Rougier, une grosse équipe du Rougier. Allez, Vincent Carrière. Vincent Carrière qui a joué à Narbonne. On le rappelle. C'est Théo qui prend le ballon. Allez, ça écarte de suite derrière. Il y a un petit à l'avant, monsieur l'arbitre qui va siffler. Alors, ce sera une première mêlée d'introduction de l'Espoise. À d'entrée, on essaye d'envoyer du jeu, quelques approximations. Alors peut-être dû à la nervosité, pardon. Ouais, c'est sûr. Bon. Après, c'est une finale championnat de France. Il faut. Il y a un enjeu. On sait que c'est des matchs très particuliers. Alors avec, que monsieur Lassalle vient nous, saluer. Vient nous saluer. Bonjour, monsieur Lassalle. Père emblématique des trois frangins de l'US Espoir. Bedouce, petit village dans les Pyrénées. Voilà, allez. Avec le canton. Allez, production. Mêlée pour l'US Espoir, introduction. Bugat Adrien. Allez, Bugat Adrien qui va écarter dans pour les pieds de Lassalle, Geoffrey, Amaury, pardon. Osso. On dégage. Osso, et c'est. Repris par le petit 14. Carrière, Susilia, Kélian. Kélian, dont son frère joue, Moïse. Allez, c'est l'ouverture à Gongoza qui se fait prendre. Allez, on écarte encore. Avec l'héros. C'est derrière, dit l'arbitre. Mais Asper récupère la balle. Allez, on écarte le héros de suite. Petit coup de pied, bien joué. Bien joué pour le petit ailier de l'US de Vaudouze. Karasoumé, Jérôme. Jérôme qui se fait prendre. Mais c'est bien couvert. Allez, on écarte encore Bugat pour Adrien. Pour la salle. La salle à Maury, pris de suite. Effectivement, pris de suite par la patrouille et la défense qui vient au grain de Cuxac. Les Odois qui récupèrent la balle. Ça sera une pénalité. Contre Ruck, on a poussé dans l'axe, on est venu à 3. On a déblayé. Ah, une bonne pénalité, 25 mètres, on va dire quasiment face au poteau. Alors on a vu en demi-finale beaucoup d'échecs de la part de Louvain Cuxac Salel. Cette fois-ci, voilà, il n'y a pas de vent. Moins de pression. Ouais. On a vu des discours aussi d'Artero avant le match aussi qui disait une finale ça se jouait et sereinement, de ne pas mettre d'émotion de tous ces discours. Que ça les déstabilise. Pour tous les joueurs qui ont eu la chance de jouer des finales, on sait qu'il y en a plein, des très bons joueurs notamment qui n'ont jamais eu la chance. Allez, c'est Jean-Baptiste. Des paramètres à prendre en compte. Il tape, ça va prendre. Ça va passer entre les poteaux. Ouverture du score. À la combien On est à la 3ème minute et 30 secondes. Allez, Gongoza qui ouvre le score pour Ouveyan Cuxac. 3-0 pour Ouveyan Cuxac Salel. Allez, ça va être un renvoi de Franck Osso pour cette équipe de Bedouce. Il prend son temps, il a le casque. Voilà, les joueurs sont prêts à en découdre. Allez, Osso qui tape haut, bien tapé d'ailleurs. Et c'est la première petit ailier, le petit ailier là. Cafouillé.
Karasoumé Jérôme qui a failli le récupérer. Au final, ça sera Bugat qui va écarter. Il va écarter pour son ça ouverture. Saute, double sauté. On écarte vers les extérieurs. Ça sera pour le frère de Soucia. Non, Superman, Superman, je me confonds d'équipe. On appelle les gros. Allez, la salle qui est bien prise. En veille au gré, la défense. C'est le plaquage haut, ça sera. Ça c'est vite joué, vite ça joué, Fabrias. Ça joue pas 10 mètres. Ça donne la balle. On saut qui s'écarte. On saut qui. Oh, ah, ça récupère la balle, ça récupère. Ça va au bout. Ngoyen, ça va au bout, Ngoyen. Et Ngoyen qui marque. L'arbitre ne siffle pas, ne valide pas l'essai. C'était juste, ça a été vraiment. On a vu cette action de Bugat qui s'échappe. Il joue vite. Il donne à Onso. Onso qui va donner au troisième ligne le 7. Ngoyen Pierre. Très bien défendu. Le basque béarnais. Et qui. Alors qui, final, aussi, qui finalement. Ben, il y a une pénalité ou un renvoi d'un but. Non, c'est un renvoi d'un but. Un renvoi d'un but. Un renvoi d'un but que. Eh bien Gongoza va s'efforcer de taper le plus loin possible. Il va pas trouver la touche. Allez, on va donner. Allez, la salle. Amaury Lassalle. Amaury Lassalle qui. Il qui casse le premier placage. Il a des envies. Ah, il casse le deuxième placage. Allez, on écarte de suite. Pour son frère, Timon Lassalle. Timon Lassalle qui écarte vers les extérieurs. Ouais, très bien défendu. Allez, encore. Au saut. Ouh, gros placage. C'est récupéré. Bien joué ça. En avant. Allez, encore. On insiste maintenant. On laisse l'avantage. Allez, Kossa Thomas qui se fait prendre. Et l'arbitre siffle, l'avantage n'a pas profité. On va revenir à l'en avant. Ouh, ça a été un sacré placage. Ouais, très beau placage. Les joueurs d'Oubliac Cuxac. Du numéro 11 de Cuxac, Susi à Kevin. Ouais, tout à fait. Ouais. Très belle attitude. Ouais, très belle attitude, Susi à Kevin, son frère, Susi à Kélian. Et sur l'entrée, c'est une histoire de famille, hein, cette finale. Le rugby, on le voit. Entre lui et sa spouse qui a les frères de la salle, mais il y a d'autres frères Gilles. Non, il y a les frères aussi. Miranda Rey aussi, les remplaçants. Voilà, donc tout à fait, les frères Soucia aussi. Donc tout ça fait que ça se joue en famille. Et puis on a aussi les frères Rouglan, un en 3 et un en 5. Tout à fait. Allez. Allez, mêlée, introduction. Kozik Gabriel. On écarte de suite. Allez, on tape une grande chandelle. C'est une belle chandelle. C'est les premiers tests sur les ballons hauts. Rougeant, c'est Clément. En avant. Ah, l'arbitre siffle. On est hors jeu, ouais. Donc, Osso Franca le ballon. Alors, il ne faut pas confondre. Le 10, Bugat joue bien à la mêlée. Pourtant, il y a le numéro 10. Asp a choisi les bas. Il choisit les bas, ça sera à l'arrière. Peyre Toutoma qui va tenter la pénalité. On est à 40 mètres, quasiment face aux poteaux. Face au poteau, on voit qu'il fait chaud. Il fait très chaud. On voit les frères à la salle qui. Les frères à la salle, Thibaut, qu'on ne présente plus. Qui a été champion de France. Qui a été champion de France avec Oyonnax. Voilà, qui a un sacré joueur. Hein. Ouais. Son frère aussi d'ailleurs. Et puis c'est deux frères jeunes. On se rappelle quand il était champion de France avec Castres, ses frères aussi étaient champions de France avec Bedou, sa quatrième série. Ouais. Il y avait eu un reportage sur France 3 qui était génial d'ailleurs. Hein. Il y avait la présence de son père qui avait parlé. C'était chouette. Allez, Péo Tous Thomas qui va tenter la pénalité. Il s'est lancé, puis il tape et la balle passe. Ça passe entre les fangères. Trois partout. À la 7ème minute. 7 minutes 50 secondes, 3-3. Pénalité, paye, retour. Engagement ou veillant. Allez. Donc Gorgoza. Gorgoza qui s'apprête à faire le renvoi. Un renvoi certainement. Mais plutôt court. On va tester. Hein. Plutôt court. Thibaut Lassalle. Serein dessous. Ouais, serein. De suite. Le ballon. Et pareil que tout à l'heure, hein, on organise un maul, la cocotte, ça avance, c'est bien. Ça décale, l'arbitre lève le bras. Ça va, et puis le ballon a été subtilisé. Allez, Rougeas qui écarte. Ah, il a voulu sauter. Un peu de précipitation. Ça va être Susi. Kevin. Kevin qui a pu écarter son ballon. Allez, le capitaine Ibeda Théo. Grosse percue. Ouais. Allez, encore. Sac à fouille, mais le ballon est encore en jeu. Avec l'arrière Benoît Lourag qui garde le ballon. Le ballon est au sol. Allez, on écarte encore. On fait jouer 3. Les gros. Allez, baisse Julien. Julien baisse qui fait une grosse percussion. Ouais. Et qui envoie son vis-à-vis.
Il y a encore Kozik qui écarte. Allez. Alors que Roujas se fait la. Roujas se fait la valise, il peut écarter, mais le ballon est subtilisé. Non, encore. En arrière, l'arbitre c'est en arrière. Ça joue. Ouh, ça rate bon, ça rate bon le 18 sur votre ligne, la barre Loïc. Loïc qui a fait une percée. Qui a réussi à casser les deux premières. Qui donne encore pour ce capitaine Ubeda Théo. C'était bien joué, le trou était là. Allez, encore ce Ben Julien. Alors, comment ils vont faire le 10? Voilà, il est pris par trois joueurs. Jean-Baptiste. La défense de l'USB à ce point de Veillon Grey. Ça ouais. Sera une pénalité, on sait bien la faute. Le alors plaqueur que... ne se retire pas. On a vu plusieurs temps de jeu avec une percée de Bess Julien. Le capitaine Ubeda qui rentre. Oui, tout est parti de Sucia. Ouais, Kevin. Roujas Clément aussi. On a vu pas mal de ballons. On a vu quelques imprécisions, mais le ballon n'est pas parti en avant. Et donc tout ça, ben, finalement, fait qu'au jeu. Ben, l'équipe de. De Villacuxac est en passe de marquer 3 points de plus. Donc bon, une pénalité quand même qui n'est pas facile. On est à 30 mètres à peu près à droite des poteaux. Légèrement décalé sur la droite. Ouais, à droite des poteaux, il n'y a pas de vague. On va voir un petit peu la réussite de Gongosa. Donc on voit qu'il y a des envies des deux côtés, hein, Michel. Ouais, je ne sais pas ce que tu en penses, on ne se regarde pas. Hein. Ouais. Allez, Gongosa qui s'apprête à taper, il prend son élan et il tape et le ballon va passer. Et ça passe. Entre les poteaux, belle pénalité de Gongosa. 6 à 3 pour l'Ouvrier Cuxac, Salel. À la 10e minute 30 secondes. Pénalité de Gongosa. Bon, ben match qui s'annonce indécis. Hein. On est combien? On est à peu près un quart d'heure de match. À la 11e. 11e minute, tu vois, 11e minute. Donc pour l'instant, on ne s'ennuie pas. On se donne coup pour coup. Ah oui, il y a des intentions des deux côtés. Des intentions des deux côtés. On a vu quelques fautes de main quand même d'Ouvien Cuxac. Mais bon, ils se sont bien repris. Le ballon doit être un peu moite. Allez, peut-être un peu nervosité. Allez, toujours, on y va. Et toujours ce petit ailier qui ramène le ballon dans le cadre. Dans le cadre de l'US Sports, là, avec le vaillant troisième ligne basque Béarnier, El Goyen Pierre. Et l'arbitre qui revient à l'en avant, Douveillon. Désolé. L'en avant Douveillon. Mais on a vu ce petit ailier, Karasoumé Jérôme, là, qui met la pression, hein, à la tombée. Ouais. Il ne faut pas faire 2-5 kilos pour. Non, il n'y a rien que monter des fois, suffit de créer une petite gêne. Allez, ça va être une introduction de Vugat Adrien. Voilà. On voit que l'arrière là-bas est intercalé. On voit aussi que Karasoumé Jérôme s'est mis dans l'axe entre son centre. Il y aura une combine certainement. Attention, ils vont jouer sur les extérieurs. Ah, bien joué. Et voilà. On écarte. On a vu Karasoumé justement qui est là-bas. Ça envoie, c'est rentré. C'est arrière qui va se. Entre les prochains, le pire au tout au bas. Et sa première main, très belle aussi. On l'avait dit. Du numéro. On le sentait. Peyrotou Thomas qui marque un essai à bout de ligne. Fantastique essai de Peyrotou, le numéro 15 de l'US Espoise. Il essaie le premier. Peyrotou Thomas, il essaie le premier eux-mêmes, mais la magnifique. La combinaison 9-11, 9-12, pardon. Le 12 qui retourne avec le 10. Le 10 qui fait une sautée intercalée. Le 15 qui vient s'intercaler. Et sachant que s'il donne le ballon même, il y avait Karasoumé qui était venu. Sur son aile, sous le décalé, qui aurait pu même donner à Superbat, Thomas, et puis finalement, il se défait tout seul, hein, tel tour. Ouais. Très belle course, il est arrivé lancé, tranchant, il a pris l'intervalle comme il fallait. Eh bien, ça va laisser les débats, ça. Ça va laisser les débats. Du coup, l'US Aspoise qui recolle et qui repasse devant, 8-6 avant la transformation. 8-6, bon, la transformation à gauche des poteaux, on va dire 22 mètres, mais bon, ça. On va voir pour l'instant. 27 pour l'instant. Pour l'instant, les buteurs sont en réussite des deux côtés. On va voir si. Non, c'est l'arrière, je crois. Je crois que c'est Peyrotou qui. C'est tendu. Et ça passe. Et ça passe à Peyrotou. Et ça passe. Fabuleux, hein. Ça fera 10-6. Hein. 10-6. On est à la 15e minute. C'est ça, 13e minute. Voilà, 10-6 pour l'équipe de l'US Espoise. Le match est lancé. Hein. Le match est lancé. Ça va se rendre coup pour coup. Hein. Ah là, c'est sûr. Il n'y a pas eu de route d'observation. Comme Gosa Jean-Baptiste, toujours pareil. Le mène au renvoi un peu plus loin. C'est toujours de vague. Allez,
On relance. Allez. Sur le numéro 5, Théron. Théron qui a mis le ballon au sol. Point d'ancrage. Qui a mis le ballon au sol. Non, c'est pas Théron, hein, c'est Rouglan. Corentin. Théron, c'est le second de ligne de Tuxac. Ah, pardon, toi pour moi. Eh oui. Allez, encore. Tuxac. Tuxac, c'est bien la faute. Il se met à la faute. Le joueur joue le ballon au sol, il n'a pas le droit, on vous le rappelle. Hein. Tout à fait. Plaqueur, le ballon revient vers lui, il est au sol, il n'a pas le droit de toucher le ballon. Il a remis le ballon dans son côté, dans son camp, interdit, donc forcément pris par la patrouille. Effectivement, ce sera une pénalité, ça va permettre à cette équipe de Bedouce. Eh ben de souffler un petit peu, de sortir de son camp, et de récupérer le ballon, de faire souffler un petit peu les avant, les organismes. Je pense qu'il y aura de water break. Il y aura le water break d'ici quelques secondes. Je pense. Avec une pénalité, une petite touche prouvée, mais bon, on est dans les. On est au début du match, vaut mieux assurer, se rassurer. Tout à fait, ouais. On l'a vu le week-end dernier en top 14, hein, fois, vouloir aller trop chercher, tu te loupes. Allez, ça va être un lancé de Bouygues Gabriel, talonneur de l'US Saspoise. Bouygues Gabriel. Sur les 40. Qui va. Mais lancé, ça sera mis de touche. Non, une faute de touche. Et ça sera c'est subtilisé. Par Cuxac. Cuxac s'y écarte tout de suite. Non, c'est Roujas qui va écarter sur son arrière intercalé. Qui décale. Touche directe. Et ça va être une touche directe. Attention. On s'emporte un peu trop vite. Ça se voit, ça sort pas si mal que ça. Ouais. Par contre, Cuxac s'emporte un peu trop vite. Il y avait mieux à faire certainement. Alors qu'on avait subtilisé le ballon sur une lancée de l'US à Spose. Ah, ils ont voulu aller trop vite. Ils ont voulu aller trop vite. Un peu de précipitation. Ouais. Ça sera encore une lancée pour Bouygues Gabriel. Voilà, on a voulu faire un faute de touche. Ça a été subtilisé par Cuxac. Parce que là, on va essayer de se rassurer. C'est une touche réduite. Hein. On a à 4. Ça va faire un second bloc, vu comme ils sont positionnés. Ouais, tout à fait. Il va y avoir un leurre derrière et on va revenir devant. Allez, ça va être Elgoyen. Ah, non, c'est bon, ça revient. Ah, ça revient, c'était Thibault Lassalle qui a récupéré le ballon. On met le ballon chaud. Allez, Rougan qui a le ballon. On avance. Rougan qui a le ballon. Et Ouveyan qui défend très bien, qui rentre dans l'axe. Ouveyan qui a bien défendu. Le numéro 1, Kossa Thomas. Ouais, on l'a vu, qui est rentré dans l'axe, qui est venu gêner la sortie de balle. Alors qu'on les voyait plutôt au sommet. Sur ce regroupement, et finalement, ce diable de Kossa Thomas est venu perturber la sortie de balle de l'US Saspoise pour finalement l'arbitre donner le ballon à Louvien Cuxac. Ah, très très bien joué de la part d'Ouvien Cuxac. Allez, ils sont encore dans le match. Allez, on se retrouve mêlé sur les 22 au doigt. Kosike avec sa chevelure bleue qui va introduire le ballon, qui va certainement donner à Gongoza qui va s'empresser, mais certainement de taper loin, très loin, à plein milieu du terrain. Et ça, attention, la bouchée de Tarasoumé qui s'est fait un peu assommer. Allez, l'arrière, cet arrière qui va donner un coup d'air. Attention, pas de ballon, j'ai failli le récupérer. Là, sur le coup. L'arrière qui se donne un peu d'air, qui dégage son camp. Allez, Pierre Tout, le héros de cet essai, marqué à la 13e minute, qui tape, qui sauve son équipe, et le ballon est à hauteur des 30 mètres de l'US Aspoise. Allez, ça va être un renvoi pour Vincent Carrère. Allez. Non, ça va être Julien, le pilier droit de l'Antante AOC. Normalement, Julien joue au talon, ils ont changé avec. C'est subtilisé par le diable de Elgoyen, Pierre. Très bon joueur. Très bon joueur. Il a des bonnes attitudes depuis le début du match. On le voit beaucoup. Allez, ça fait rail sec. Le ballon est au sol. Il a subtilisé le ballon à Freyce Nicolas. Et on tape. Chandelle. Amuga, Fabrien, on revient. Chandelle. Bon, une chandelle, mais attention. Et c'est l'arrière. L'arrière à Melo, Laurent. C'est récupéré par. Ça sera une pénalité. L'arbitre siffle. Ça sera une pénalité pour le bien. Il y a eu un peu de. Ça cafouille. De cafouillage sur ce coup de pied de Bugat Adrien. Allez, on va récupérer le renvoi pour une touche. Là-haut, c'est S. On oublie souvent le S dans le mail. Faut pas oublier que c'est la tête de trois villages. Trois villages, le triangle, le veillant, Cuxac, ça l'aile d'eau. C'est 10 000 habitants quand même. Hein. C'est pareil. Ouais.
C'est avec pareil, hein. Une école de rugby qui est pas mal du tout, qui est intéressante. Tout à fait, ouais. Moi, je les vois certains week-ends quand j'ai mes petits qui jouent, je les suis. Ils ont des éducateurs qui font un très bon travail. Allez, ben Julien, c'était tout à l'heure pour French Nicolas. Est-ce que ça va être encore pour French Nicolas? Quand c'est subtilisé par ce diable d'El Goyen, le basque, le Béarnais basque. Le Béarnais bondissant. Ouais, le Béarnais bondissant. Allez, c'est encore, on insiste. Allez, avec on refait la même. On refait la même. Et là, cette fois-ci, c'est encore récupéré par les... Mais il y en a en avant, effectivement. Mais on s'aperçoit que sous les ballons hauts, les Béarnais sont toujours les premiers dessous. Hein. Ouais, mais bon, on fait des fautes. Ils font des fautes. Pour l'instant, l'US, le Cuxac, enfin, l'Ouvéan Cuxac, pas l'US, n'en profite pas trop. Voilà. Pour l'instant, il y a un petit amour dans le jeu. Un petit flottement. Ouais. Allez, on va faire une introduction de Rosic Gabriel qui va donner cette On voit que le premier centre est collé à son 10. Ouais, joue là. 89 classique. Allez, on donne au 10 qui passe derrière le 12. Ah, attention, il est passé. Il est venu, le 13 est venu chercher maintenant. Eh oui, on est allé au-delà du ballon, certainement. C'est le Rose qui se fait sanctionner. Je suis là, Kevin qui est pas sur ses appuis, qui est passé au-delà. Et l'arbitre c'est le numéro 13, Burse Louis, qui est venu après le plaquage me poser les mains sur le ballon avant que le. Burse Louis, c'est la tête du Aspoise. Bah oui, c'est lui qui a récupéré le ballon, qui a mis les mains sur le ballon. Oui, tout à fait, je confonds, excuse-moi. Mais je t'en prie. Cher ami. Je sais que la saison a été longue, commences à fatiguer. Je commence à fatiguer, vu mon âge avancé de 27 ans. Allez, alors que c'est le water break. Hein. Allez, water break. On va profiter pour parler de Riom, ce village qui reçoit cette finale challenge de France. Alors Riom, c'est un club historique qui a 120 ans. Hein, 120 ans, ouais. Qui a quand même donné des sacrés joueurs de rugby, que ce soit fédéral, mais aussi international, dont les derniers sont Bernard Viviès quand même. Hein, ouais. Qui a entraîné en ligne d'attaque sous Bernard Laporte en 2007. Hein. On se rappelle aussi du regretté. International en 68. Ouais, plus que ça, mais Bernard Viviès. Et puis on se rappelle aussi du regretté Guy Laporte. Qui a fait la Coupe du Monde, je crois que c'était la première en 87, hein, Guy Laporte, qui est décédé l'année dernière en 2022, qui a joué, qui a fait ses plus grandes armes à Grouillet. Voilà, donc c'est un fief du rugby quand même. Fédéral 2. Fédéral 2, on en parlait tout à l'heure avec eux lorsqu'ils nous ont accueillis. Ouais. Ils avaient acquis la montée en Fédéral 1, ouais, mais montée qu'ils ont refusée pour diverses raisons. Parce qu'ils sont montés trop rapidement. Après, c'est un club qui a beaucoup de titres de championnat, de champion de France, la 4e série. Il y a pas mal de titres. Les années 90. Voilà. Ouais. Et donc voilà, mais c'est un club qui sale le rugby, qui pue le rugby, comme on dit. Voilà, donc on est dans la région. Pas loin de Toulouse. Et Toulouse, il me semble qu'ils ont une équipe de rugby. Toulouse. Il me semble. J'en ai entendu parler. Donc voilà. Et je me demande s'ils n'ont pas fait un petit truc le week-end dernier. Bah, je sais pas, mais bon, il faudrait le demander peut-être. Voilà, on sera signé avec nos amis chroniqueurs de série rugby peut-être. Parce qu'il me semble qu'il y a une équipe de rugby à Toulouse. Voilà. Alors, bien sûr, on plaisante, on sait très bien que Toulouse a été championne de France. La semaine dernière, voilà. Face à La Rochelle, gros match. Ouais, c'était aimé, voilà. Bon, on reprend notre Allez, match. On va reprendre sur une touche. Sur une touche. Avec un lancer pour Bouygues Gabriel. L'US Aspoise. Ouais, à hauteur des 30 mètres dans le canouillac du sac. Voilà. Allez, Bouygues, qui va en faute de touche. Et c'est récupéré. Je crois que c'est récupéré par la salle Amoury. Et on s'est mis à la faute du côté d'Ouvéa Cuxac, donc ça serait une pénalité. Ouais. Attention, Ouvéa Cuxac. Faute du capitaine Ubeda Théo. Hein. Ouais, on a vu que le 15, Perotou, Thomas, non seulement il est agile de ses mains, mais il est aussi agile de ses pieds. Il est aussi à droit des pieds. Alors attention, il ne faut pas lui donner l'opportunité. Il y a 4 points d'écart face au poteau, ça ferait 7 points d'écart. Bon, le match n'est pas fini, forcément. Il faut qu'il reprenne ses esprits un petit peu, cette équipe d'Ouvéa Cuxac. C'est pas bien grave. Le match ne fait que commencer. Puis un match a duré 80 minutes. Le week-end dernier, un match, on l'a vu, on parlait de Toulouse, qui ont gagné dans les derniers instants. Donc voilà. Le match ne fait que
Non, mais il est certain que pour l'Ouvaillon Cuxac, va pas falloir faire trop de fautes, hein, pas donner trop de munitions à cet artilleur béarnais. On les laisse prendre un peu l'avantage, ça va être dur de recoller parce que on les voit que dès qu'ils sont structurés, même si ça ne progresse pas trop. Et d'ailleurs, voilà, la section est immédiate, ça fera 13. 13 à 6. Pénalité de Periutou, hein, on est à la 20e. Hein. Ben, ils n'ont pas tenu le temps, hein, à la reprise après le water break, ils se sont mis à la faute des joueurs de Villain-Cussac et sanctionnés immédiatement par l'arrière volant de Villain-Sasspoise, Periutou. Allez, on change de côté cette fois-ci pour Villain-Cussac. Et c'était loupé par le 8 en avant. La salle à Maurice, ça sera en avant, ça sera donc une mêlée, introduction au Villain-Cussac. Alors que va faire une mêlée face aux 22 mètres, enfin dans les 22 mètres on va dire, au milieu du terrain. Donc, ça va donner plein de possibilités. Plein de possibilités à cette équipe, effectivement. On va voir ce que va faire Kozik, Gabriel, Gongoza se trouve sur la droite. L'arrière aussi. On voit les deux ailiers d'ailleurs, Susilia et Susilia Kenyan qui se met. Et du coup, et qui lâchent totalement leur côté gauche. Ouais, alors est-ce que c'est une combine Est-ce que ça va jouer, renverser avec une 89 ou... Non, ça écarte, bien sûr, ça écarte. Il y a du surnombre. Le triangle. Il y a du surnombre quand même. Susilia a très bien pris. Hein. Le ballon est au sol, mais il faut écarter rapidement. On écarte rapidement, toujours avec le 5 Théron. Allez, il y a un petit coup d'épée par-dessus, il va y avoir. Ouh, il a manqué le ballon! Il a manqué le ballon! Periutou Thomas, attention! Il glisse. Et ça va être un renvoi, ça va être, je veux dire, une touche à 5 non, mètres. Renvoi 22. Renvoi 22. Renvoi 22, renvoi... puisque il était dans son embut. Non, renvoi d'un but. Renvoi d'un but, attention, le renvoi d'un but. Ah, c'est une des nouvelles règles de cette année. Tout à fait. Ouais. Renvoi d'un but, donc Periutou qui se met à la tâche. Il faut que l'homme fasse au moins 7 mètres. Hein. Il tape loin, ça va être récupéré. Très belle amorti. Par l'amorti de l'ailier. Ceci à Kélian. Kélian qui retrouve ses gros noms, hein, finalement. Non, qui va tout seul. Hein. Il casse un premier plaquage sur une percussion. Et allez, encore le vaillant capitaine qui a récupéré le ballon. Pour se coucher sur le ballon. Allez, on écarte Kouzignac, c'est écarte. Allez, pour Fraisse et Nicolas. Nicolas Fraisse qui se fait prendre à 5 mètres de la ligne. Oh, attention, il est allé devant. Ça sera sifflé. Il y a un avantage. Allez, un avantage. On va donner. Il écarte, non. Oui, il va donner le ballon. Essai de Rougeas, Clément. Un fabuleux essai de. Ah, mais vraiment très bien amené. Hein. Un bel essai. Très bien joué. Le 10 qui porte le ballon. Tout à fait. Qui vient fixer trois défenseurs passe les bras sur très un bien. Offload. Super bien. C'est très bien amené. Alors, on a vu. C'est venu le souci à Kélian qui a récupéré un ballon sur le ramadan but. Qui est rentré. Au final, qui se fait prendre. Après avoir cassé le premier plaquage, on a écarté. Re-écarté. Fraisse Nicolas qui ensuite est venu faire un point d'ancrage quasiment en face des poteaux. Tout à fait. Il s'est arrêté à 7 mètres. C'est écarté dessus sur Gomboza qui passe les bras, qui donne à Rougeas et qui aplatit à terre promise. Un bel essai qui remet cette équipe d'Ouvillac-Cuxac en course. À 2 points. À 2 points avec Gomboza. Elle n'est pas facile quand même. Elle n'est pas évidente. Elle n'est pas facile. Allez Gomboza. Sortie des 22, quasiment en coin. Gongoza qui va s'élancer, qui tape passe à droite. Manqué. 11 à 10. 11 à 13. 11 à 13. 11 à 13. 11 à 13 toujours pour lui à son sport. On se donne coup pour coup depuis le début du match. Allez, 11 à 13. Et c'est donc de Rougeas, le centre. On voit que les joueurs commencent à marcher. Ça arrive moins rapidement qu'au début. C'est un peu normal. On profite des petits temps morts pour récupérer un petit peu. Ouais, Periutou. Parce que même nous à l'ombre, je peux vous dire qu'il fait chaud. Il fait très très chaud. Allez, Periutou qui va à l'arrière, volant de l'Essence et qui va taper. Un renvoi très bien tapé d'ailleurs. Il y a toujours ce diable. Et c'est récupéré par Nicolas Fraisse. Nicolas Fraisse qui fait un gros match. Allez, Kozik, et ça va être, ils vont être sanctionnés, bien sûr. Allez, Kozik qui joue vite, Kozik qui s'échappe, Kozik qui donne, on se met dans la ligne de Théron qui est pris, il met le ballon au sol, Kozik qui garde. Il y a un avantage, ils étaient pas allez, à 10 mètres. Allez, on rentre, allez, c'est Susilla qui est intercalé, Kozik encore qui va donner l'ouverture. Rougeas,
Roujas qui donne à son ailier. Son arrière qui est intercalé, qui se fait à la ligne. Pelou Laurent qui replie. Encore le ballon est au sol. Kozik, ça met un peu de temps. Kozik qui va donner. On a fait 35 mètres sur ses ballons. Bien joué. On rejoue avec les gros, on vient ficher la défense. Julien qui se met, qui met le ballon au sol. Allez, on est. Kozik qui donne encore un, qui donne sa seconde ligne. Baro Loïc. Baro Loïc qui relève le bras. Kozik qui va redonner encore. Il va y avoir un avantage. Et l'arbitre. Toujours en arrière. L'arbitre qui va siffler certainement. Ça y est, on ça sera une pénalité. Alors, on revient. L'avantage ne profite pas. Ouvillan Kuksak a mangé du lion. Ah oui, ça y est, ça se réveille. Ouvillan Kuksak se réveille. Attention, cette équipe, elle n'est jamais morte. Et on le voit, hein, Ouvillan Kuksak, une équipe très jeune hein, dans l'ensemble. Ouais. Hein, très joueuse. Hein, on l'a entendu tout à l'heure les coachs le dire. Il y a quelques juniors hein, qui ont joué cette année en junior et qui sont montés pour avec la première. Hein, on voit mon match, moi je me régale. On voit cette équipe du SS Sport qu'on ne connaît pas, hein, parce que c'est pas notre comité. Hein, mais il y a de sacrés joueurs. Je sais pas, c'est le carton. Ah, ouais, carton. On dirait qu'il y a le carton, ouais, carton effectivement. Jaune. Alors c'est qui? C'est Bugat, donc je crois. Je sais pas, je crois que c'est le demi de mêlée, numéro 10, je crois que c'est Bugat qui a été mis par la patrouille. Allez, Gongoza qui tape et qui met entre les poteaux. Et qui passe. Et ça va faire 14 à 13. 14 à 13 pour Ouvillan Kuksak. Et on sera un coup pour coup, mais belle réaction des joueurs d'Ouvillan Kuksak. Ouais, ouais. Hein. Ah, on a vu belle réaction. Hein. On a vu c'est une équipe de caractère, hein. Le diable de Rougin encore rentré. On a vu Beno Laurent qui est intercalé, qui s'est fait la balise. Vrai bang. Et puis il y a du soutien. Bez, le pilier qui rentre, qui met le ballon au sol. Et après ils se sont mis à la faute. Mais voilà, et pénalité. Eh oui, bah, et c'est 3 points pour Rougin. Hein. C'est ça, tout à fait. Allez, Beno Laurent. Allez, et un là, peu qui, plus long, il change. Il change. Et c'est Malirac Sébastien qui va bon, donner. On ne trouve pas la touche. On trouve pas la touche. Et on va écarter. C'est Lassalle, Amaury. Amaury qui se fait prendre. Allez, le ballon est au sol. Allez, on fait une cocotte. On voit qu'il y a Thibaut Lassalle. Thibaut Lassalle qui rate. Thibaut Lassalle hein, qui se fait prendre aussi. Ouais, il y a une pénalité. Il y a un en avant de Thibaut Lassalle. Eh ouais, les joueurs de William Kuksak, eh ben, ça plaque, ça ferraille. Ça ouais, ferraille, ouais. Ils la veulent, ce final. Hein. Ils la veulent. Ce coin qu'il est fait, peut-être pour William Kuksak, on le leur souhaite, mais bon, on n'a rien contre le match les derniers. Est long, hein. On est qu'au début. Hein. On est qu'au début, allez. Alors que là, le 19 qui rentre. Le 19. C'est Jisper Kakté. Qui est rentré en lieu et place du numéro 18. Ben, le seconde ligne. Hein. Le ouais. Seconde ligne. Delpech Jordan. Non, Loïc. Allez, ça va être une introduction. On commence à faire tourner les joueurs. Hein. Par Kozik Gabriel, ouais, mais c'est sûr, il fait chaud. Hein. Allez, Kozik Gabriel qui va introduire hein, ce ballon. Gongoza. Il est en place avec. Oh, bon, ça joue à l'infirmier avec une 89 d'école. Ah, mais il a l'air intercalé. Allez, Bolo. Avec Sia Kevin qui est mis au sol. Le ballon va être raté certainement par un. Mais non, ça sera un en avant. Il y a un en avant de l'équipe. C'est vite joué. Mais le capitaine, Escuda. C'est vite joué encore. Allez, on va. Le bras est toujours levé pour l'en avant, rouge. Allez, on écarte un petit coup de pied. Par-dessus. Attention, Sissi à l'avant. Et... Ça va vite, hein. Ouh, attention, là, l'arrière qui échappe. Le ballon est échappé. Il s'en sort bien. Hein. Et il s'en sort très, il s'en très bien. Sort très bien. Allez, ouais, maintenant, il faut monter, il faut faire la ligne. Hein. Perrotou Thomas qui s'en sort très bien. Allez, but. Et on joue de Kozik, l'autre côté. Kozik qui a vu qu'il n'y avait personne. Attention. Eh, ça fait deux fois. Hein. Ça fait deux fois. Allez, Lassalle Amaury. Lassalle Amaury qui va peut-être passer. Oui, il passe. Il va être bien pris, là, je pense. Donc, oh, bien joué. Pour son frère. Pour son frère. Son frère qui a été désintégré. Ah, il s'est fait prendre. Il était désintégré. Propre, hein. Elle grouillait Pierre qui récupérait ouais, propre. Et des belles attitudes, ce petit Amaury. Ouais. Tout à fait. Allez, encore le ballon pour le Sasspose. Le Sasspose qui écarte. Hein. Oh, on est joueurs sur le Sasspose. Attention, les Béarnais. Les Béarnais qui se font prendre. Il est même. Tout seul. Attention, hein. Il ne pas vouloir. Et le ballon, il a été gratté, mais non, l'arbitre ne siffle pas. Allez, on écarte encore dans le fermier. Et un grand coup de pied, mais il est sorti des 22 mètres.
Ah, c'est l'ouverture qui est en bonne position. Gongosa, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui va. Qui prend le trou et qui est pris. Il est pris. Attention, le ballon va être gratté contre un cœur. Allez, c'est Thibaut Lassalle qui écarte sur le fermier. On va insister encore avec les gros du côté de l'US Espoirs. Le ballon est écarté maintenant vers cet arrière Perrotou qui va. Ah ouais, qui joue dans le dos. Qui joue dans le dos et qui va trouver, ma foi, une super touche. Ce diable de Perrotou, il fait tout. Ouais, mais c'est il est pas mal. Belle occupation du terrain, il a l'œil. Oh ouais, mais écoute. On s'ennuie pas. Hein. On s'ennuie pas. C'est agréable. C'est ça attaque de partout. On a vu la salle à Maurice. Qui d'aller mettre le maître, Rolaise, il fait une fête, il revient dans son frère. Seul, hein. Son frère qui a été désintégré par le joueur de Louis Akuxac. Mais il a pu transmettre le ballon quand même. Un coéquipier du SS Poise et bon il s'en sort. Il s'en sort au final avec un coup de pied judicieux de cet arrière volant de l'USS Poise, Perrotou Thomas. Allez, à la 32e minute. Et lancé pour Hugo Gabriel. Gabriel. Cuxac, ah non, non, oui, bien sûr, c'est Barrière. C'est Vincent Carrère. Vincent Carrère qui donne son capitaine, je crois, Ubeda, Théo, qui a récupéré le ballon. Voilà, on se met autour de lui. Allez, premier groupé pour Ouveillant. Voilà, c'est le premier groupé. Mais le ballon, je pense, il a été mis au sol, puisque on voit que la cocotte est tombée. Et, ouais. Et ça sera récupéré par lui, ça se croise. Et ouais. Alors là, il reste 7 minutes avant la mi-temps. Bon, rien n'est joué, encore, attention. Non, non, non. Rien n'est joué. On sent des équipes quand même qui les cannent des coups d'œil et qui lâchent pas le morceau. Hein, que ça soit une finale de championnat de France. Ah, mais, oui, mais c'est une finale, mais ça essaye de jouer des deux côtés quand même. Hein. Moi, je trouve que malgré la chaleur, malgré l'enjeu, on se régale. Il y a une belle après-midi de rugby et c'est très bien pour allez, tout le monde. Introduction Bugat Adrien. Allez, Adrien Bugat. Osso, le 10. Ça joue petit côté. Allez, ça a été petit côté, ça a été pleu. L'arbitre. Il y a encore qui va écarter. La salle, Thibaut Lassalle. Thibaut Lassalle qui est bien pris. Qui fait 5-6 mètres tout seul. Ah, ils sont bien la faute encore. Une fois de plus. Cuxac tient bien la faute. Ça sera une pénalité pour lui à Saint-Spois. Attention qu'il ne joue pas vite. On prend 10 mètres de plus. Attention! On prend 10 mètres de plus! Il ne faut pas sortir du match! Eh non! Il est temps que la mi-temps arrive pour cette équipe de Cuxac et que un peu l'entraîneur calme tout le monde. Voilà, le match n'est pas fini. Et donc le capitaine a montré les barres. Hein. Ouais, tout à fait, ouais. Ah, je pense que c'est cet arrière à faire le tour. Qui va se coller à la tâche. Hein. Voilà, bon, ce qui leur permettrait de repasser devant qui repasser 16 à 13. Qui repasser 16 à 13, si, 16 à 14. 16 à 14. On voit que les joueurs de Cuxac en profitent également pour les joueurs du SS Paz pour se désaltérer parce qu'il fait vraiment chaud. Et d'ailleurs, même moi, j'ai très très chaud. Donc je languis l'habitable pour me désaltérer. Et toi aussi, j'imagine. Toi aussi, j'imagine. Et c'est vrai qu'il fait une chaleur épouvantable. On va pas se plaindre quand même. Bon, cher ami. Oui, on n'est pas sur le terrain. On n'est pas sur le terrain. On l'a eu été, mais bon, il fut un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Notamment pour moi. Ah, toi, encore, tu as eu jeune par rapport à moi. C'est pas faux, c'est pas faux. Ouais, tu as eu jeune. Tu commences à avoir des poils, j'ai vu sur le mat dog. Hein. Ouais. Quel âge tu as maintenant? 18 ans, 19 ans 19 ans. 17 ans et 7 mois. Allez, va. Perrotou Thomas qui va tenter cette pénalité. Et qui va. Le gaucher. Et qui va là non plus. Ah, qui l'a mis. Ça fera 14. 16 à 14 pour l'US Espoirs. Ah voilà, c'est un ping-pong. Un coup c'est pour l'US Espoirs. Un coup c'est pour Ouvian Cuxac. Donc première mi-temps vraiment. Très intéressant. On se donne le coup pour indécise, coup. C'est indécis qui va gagner. Mais là je sais pas, Madame Soleil, on ne le sait pas. Non mais c'est super intéressant parce que du coup ça oblige les deux équipes à ne pas rester sur un faux rythme. Toujours pour ce diable de Perrotou qui va taper et qui va trouver ma foi une belle touche en hauteur de ses 42 mètres. Soit sur les 40. 42 mètres, ça sera le lycée pour Vincent Carrère. Mais sa carrière, on a vu la dernière touche qui a été mal maîtrisée de la part d'Ouya Cuxac. Il faut qu'il règle certaines choses quand même. Hein. Voilà, donc
Ça a été la première touche, c'était Théo Ubella qui avait récupéré le ballon, mais sur la cocotte, je pense que l'US Aspoise a pourri un petit peu la sortie de balle, et ça a été récupéré pour l'ont mis à la faute. Le carton qui devrait pas tarder à rentrer hein, d'ici quelques secondes. Bah ouais, c'est ce diable de saut par Frank. Ouverture. Oh, en faute de touche. Faute de touche. Très bien plaqué. Ah, très bien plaqué, ouais. Allez. Le ballon est vite giclé. Et on va donner pour Fraisse. Fraisse au troisième ligne. Qui va donner pour le second de ligne. Le second de ligne remplaçant. Allez, encore. Allez, on encore Gosig. Ah. Le 13. Et c'est finalement, si c'est arrière. C'est arrière qui n'est pas pris de suite. Boulot qui n'est pas pris. Et la défense qui est de suite dessus. Allez, Gosig qui va s'écarter. Encore pour le capitaine. Pour le capitaine. Théo. Allez, pour Théo Ubella. Théo Ubella qui est pris. Le ballon est au sol. Et il y a des enjeux à l'air certainement. Non. Allez, on essaie de le fermer. Le fermer. Oh, que c'est bien joué. Que c'est bien joué le 13. Ah ouais, c'est bien joué. Très bien joué. Ferme-le. En bout de ligne. C'est Malinac. Malinac, le troisième ligne au centre. Alors, Kozige qui a donné pour Malinac. Malinac qui passe les bras. Très et c'est Crémaillé Hugo qui m'a reconnu. C'est fantastique. Mais quel bel essai. D'où vient Kuksak. Un essai des coups là. On essaie comme on a mis de voir tous les images. Ah ouais, gros travail du pack hein, avant. Hein. Ah, bien joué de la part de Kuksak. On l'a dit, il se rende coup pour coup. Coup pour coup. Et des pénalités, des essais. Malirak Sébastien qui joue super bien. Ouais, Malirak Sébastien qui donne. Et alors, il va chercher l'intervalle. Crivaillé et Hugo. Qui prend sur lui les deux défenseurs. Un bout de ligne, moi, qui. Ah, franchement, bien joué. Déjà, ils se sont peu loupés. L'US Aspoz. Cambelo Laurent a récupéré le ballon. Il y a eu un plaquage de manqué. Et quand t'as ce niveau-là, mec, les plaquages, on a ça fait avancer l'équipe. Bah surtout quand t'es près de ton embut, hein, c'est compliqué. Hein. Allez, Gongos à Jean-Baptiste pour la transformation. 19 à 16 pour les stacks, pour cette équipe d'Ouvillan Cuxac. On n'est pas loin de la mi-temps. Hein, ah, on y est là. On n'est pas loin de la mi-temps. Allez, Gongos à Jean-Baptiste, il souffle. Il prend le contact, il s'élance, il tape, et ce et ballon ça. Qui va passer passe. Entre les poteaux, 21 à 16 juste avant la mi-temps. 21 à 16 pour William Cuxac. 21 à 16, et je crois que c'est la mi-temps. Et c'est la mi-temps, donc on va se désaltérer, on boit le coup. Et à tout à l'heure les amis.
un test. Ouais. Alors, nous revoilà, Michel. Ben, nous revoilà où, hein. J'ai bu un litre d'eau. Écoute, j'en peux plus, la chaleur qui fait. Ça fait du bien. Ça fait du bien, ouais, ça fait du bien. Produit bon. Peu connu des rugbymen, mais... Oui, non, mais bon. Si, mélangé, non, mélangé avec la boisson qui a de couleur jaune. Alors, on rappelle 21 à 16 pour Oulia Cuxac. Voilà, l'arbitre, eh ben, c'est Bedouce qui donne le coup d'envoi par l'intermédiaire de son arrière, Perretou, qui a fait une grosse première en Italie. Ah, il s'est récupéré par Sucilia, je crois. Là. Non, c'est un remplaçant. C'est le numéro 20. Beg Pierre. Qui est rentré, donc, au Citron. Bah, ça a été écarté. Donc, Gongoza, Jean-Baptiste, qui a écarté le ballon, mais à hauteur des 25 mètres, on va dire, des 25 mètres de Cuxac. Ouais, on ne sort pas de son camp. On sort juste de ses 22, touche. Petite touche, ça sera un renvoi de Wigue Gabriel. Oui, Gabriel, ou je ne sais pas s'il n'a pas été remplacé d'ailleurs, mais. Fond de touche pour le 7. Le 7, bien sûr, l'Egoyenne, Pierre. Oh, ça rentre fort. Hein. Allez, on rentre peut-être avec d'autres intentions. On écarte. Hein. On écarte avec le centre, la salle, je crois. Un des fragiles, la salle. Tiens debout. Hein. Allez, encore, allez, on insiste avec Thibaut, la salle. Allez, allez, encore Thibaut. Le 19 qui est rentré là. Thibaut qui est souvent tout seul. Hein, quand il est où ? Sauter. Attention, c'était lié là. Karasoumé, Jérôme, qu'on a vu Tony Truang en première mi-temps aussi, qui a été bien pris. Alors, c'est Nguyen qui est Pierre qui avait récupéré le ballon, qui a été plaqué. Et ça sera donc un en avant. Et ben, ça sera récupéré par Ouvian Cuxac. Hein. On veille au rien, la défense d'Ouvian Cuxac. Hein. Cause défense. Hein, alors, on a vu l'US Sports revenir très, très rapidement au milieu du terrain. Ah, ils ont attendu bien 3 minutes avant que les joueurs d'Ouvian. Ouvian a pris le temps, certainement, dans les vestiaires ben, pour discuter du match. Alors que l'US Sports était pressé dans des coups. Là. Revenir sur le terrain, et c'est vrai que bon, on les voit, ils sont à hauteur de 5 mètres. Touche complète sur les 5 mètres pour l'US Sports. Tout à fait. Alors, on va voir. Ça a été subtilisé. Ça a été subtilisé par les joueurs de l'UAC Cuxac. Pour l'instant, les touches sont malmenées, mais des deux côtés. Hein. Mais on va dire qu'Ouveillon s'en sort quand même un peu mieux. Hein. L'US Aspoise cafouille ses munitions. C'est des ballons qui risquent de coûter cher hein, sur la fin du match. Ouais, tout à fait. Donc ça sera, alors qu'on voit que je crois que c'est le pilier Rouglan Flavien qui est au sol. Rouglan Flavien qui a une. Qui a pris les chocs certainement, il doit être un peu fatigué, ouais, il a un peu mal au teston, au cascon, au ciboulot, à la tête. Avec ces chaleurs, c'est compliqué. Avec ces chaleurs, c'est très dur, ouais, surtout que bon, l'organisme sont. Et puis ils s'envoient, les deux équipes. Oui, oui. Ils s'envoient des deux côtés, voilà, on ne veut pas lâcher l'affaire, c'est normal. Le score n'est pas acquis pour l'une ou l'autre équipe, 21 à 16, à voie d'un but. Non, c'est une pénalité, c'est une pénalité. C'est une pénalité. C'est une pénalité. Ouais, ils se sont mis à la faute, les joueurs de l'US Aspoise. Et donc, ben voilà, c'est... Et qui sortent de leur 22, qui vont récupérer. C'est Gongoza qui finalement trouve une touche. Alors on voit qu'il y a un petit peu de vague en faveur de l'US Aspoise, alors qu'il n'y en avait pas au début de match. Et là, oui... C'est léger, hein. Léger, ouais, mais bon... Qui arrive du côté droit. On voit que ben, la touche... Il y a une touche courte qui est trouvée par Gongoza. Lancé Carrère Vincent. Vincent Carrère qui va faire le lancer. Non, non, c'est pas Vincent Carrère, c'est. Et oui, c'est Vincent Carrère, bien sûr. Ou Vincent Carrère ou Costa Thomas. C'est Julien Bess qui lance. Ah, c'est gagné, mais alors, c'est quand même c'est chahuté. Hein. Ah ouais, Kozik Gabriel a été projeté à la touche. Donc voilà, mais ça va être une touche cette fois-ci. Pour lui, ça se pose. Ah ouais, alors, ça rend. Alors on va voir comment vont réagir hein, face à leur dernière touche perdue, voir si on va changer de tactique. Alors d'entrée, cette équipe de l'US Sports met la pression à l'équipe d'Ouvian Cuxac. Hein. Ouais, ça fait 5 minutes, 3-4 minutes que le match que la mi-temps a repris et on est dans les 22 mètres depuis 3-4 minutes. Hein. Ouais. Avec plusieurs touches disputées et chaque fois malmenées, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, pour l'une ou pour l'autre équipe. Hein. Allez, c'est encore diable de El Goyen, Pierre. Le Béarnou Basque de cette équipe de l'US. La balle au fond, ça fait une cocotte. Et ça décale sur la droite, ça va au sol. Et il y a une pénalité. À la faute. Il y a une pénalité, ça a été écroulé. Attention qu'ils ne mettent pas de carton jaune.
Et on est on renvoie les gros, on renvoie les gros. Allez, Cheuillère qui vient de rentrer à la mi-temps, Léo Cheuillère. À la coupe, à la chabaille. Allez, on renvoie. Thibaut Lassalle qui fait un en avant. Thibaut Lassalle, ça fait plusieurs fois qu'il est découpé. Il attend au bras de la mêlée. Il a attendu. Mais on revient à la première faute. L'avantage n'a pas profité. Ça fait on revient au mollet croulé. 3-4 fois que Thibaut Lassalle, il est bien pris. Je sais pas qu'ils en ont fait. Une cible. Mais dans les règles de l'art quand même, à noter que ça se joue dans un très bel état d'esprit. On connaît ses qualités, hein. S'il continue comme ça et que d'ici la fin du match, avec la fatigue, ils sont un peu moins dessus, dès qu'il va y avoir un intervalle, il peut faire une différence. Hein. Allez, ça va être une touche. Une touche, ça a été utilisé par ces diables de Julien Cuxac. Ils ont du mal à garder leur ballon. Hein. Ça fait 4 touches mal négociées pour. Et attention, je ne sais pas s'il va la trouver la touche. C'est difficile, hein, le ballon, tu vois. Et allez, on écarte pour. On fait une sautée pour l'arrière. Attention, extérieur, Pierrot est très dangereux. Et c'est encore Karasoumé. Karasoumé qui peut donner. Et revient au centre. À Roubaix encore un tegne. Et le ballon est au sol. Le ballon est au sol. Très bien défendu. Très bien défendu. Très bien défendu. Ça joue vite, hein. Ah non. Donc l'US Aspoise qui se fait pénaliser puisqu'il garde le ballon. Gordoza qui vient trouver une touche juste devant la tribune, quasiment à hauteur de la ligne médiane. Changement annoncé. Le numéro 21 de l'US Aspoise, Toulet Simon, qui remplace le numéro 10, il me semble, Osso Franck. Allez, lancé Julien Besse pour Rouveillant. Second bloc, très bien négocié. On essaye de faire un maul. Il y a un en avant qui est demandé par le 9 de l'US Aspoise. Gorgoza, fin de passe, qui s'en va tout seul. C'est récupéré par l'US Aspoise. Eh oui, ça c'est bien la faute. Et ça joue de suite, ça joue de suite. Ça joue de suite, mais ils sont pas à 10 mètres. Carton blanc, anti-jeu. Ça sera pour. Je pense que c'est Fraisse, non ? Le troisième ligne. Il venait pas de rentrer à la mi-temps. Mais c'est pas le numéro 7 ? Le troisième ligne qui s'est mis à faute, je crois que c'est le numéro 7. Je sais plus à la Tadna, il va. Non, c'est pas le numéro 7. Tu vois, c'est le pas j'espère, 7. Quentin. Peut-être. 19. C'est possible. C'est possible, non, le 7 du est toujours coup, là. Le 15, Perrot Totoma va en profiter pour prendre les bars. Tout à fait, c'est-à-dire qu'avec les coupes peroxydées des joueurs de. On a du mal à les reconnaître. C'est pour ça. Donc voilà, donc, c'est une fête peut-être pour l'arbitre. Alors qu'il y a un changement qui se prépare aussi hein, du côté de l'US Aspoise, le numéro 17, Esprabin Sarnaud, qui va faire son entrée. Allez, c'est toujours pareil, l'arrière qui. Le gaucher. Qui enlève son casque. Ça ne tremble pas, ça ne tremble pas. Ça sera 19 avec DE. Hein. 19 avec DE, pénalité de Pelotou. Et donc comme annoncé le numéro 3, Rouglan Fabien du côté de l'US Aspoise qui fait sa sortie, remplacé par le numéro 17, Esprabin Sarnaud, du côté d'Ouvrayant Kixac, Kossa Thomas vient de sortir, remplacé par le numéro 17, Madrid Jérôme. Et il y a eu un autre remplacement, Carrère Vincent, qui a été remplacé par Adiel Vincent. qui tape loin, c'est Rouglan qui va donner à cette arrière à Perrotou Thomas, très lui ça ne m'embête pas, qui très va retrouver pied. Son homologue, Belou Laurent, qui finalement, bon, veut bien jouer vite, mais prudemment, va laisser plutôt son équipe par l'intermédiaire de Vincent Carrère, certainement. Mais non, Vincent Carrère, c'est pas lui qui fait les touches. C'était tout à l'heure Cossa. C'était Besse. C'était Besse, ouais. C'était Besse qui.
qui fait les ramois du côté de Moulin Cul-de-Sac. Donc on est à hauteur des 40 mètres de Cul-de-Sac avec l'ailier de Vince Julien pour l'équipe de Moulin Cul-de-Sac. A noter également que niveau côté Audois, le numéro 11, Sucia Kevin, est sorti. Allez, c'est un fond de touche pour C'était pas droit, donc on va la jouer vite. Allez. Pour le SAS Poise, une munition complémentaire. Thibault Lassalle qui charge. On envoie l'artillerie lourde. On ouvre. Allez, c'est Bigot Adrien qui est le carton. Et il y en a un en avant. Attention, attention, c'est récupéré par Joubla. Rougeat, je veux dire. Ça ne profite pas. Qu'est-ce qu'il va faire, monsieur l'arbitre? Il va faire une mêlée. Il va siffler la mêlée. Et bien sûr. Hein. Sur la ligne des 40 mètres. Donc ça sera une introduction pour Kozig Gabriel. Gabriel, je ne sais pas s'il est encore sur le terrain d'ailleurs. Je pense qu'il est sorti. Non, c'est le numéro 20. C'est le numéro 20, Bègue Pierre. C'est Bègue Pierre qui a remplacé. Toujours lui. Ah ouais, c'est, il a été remplacé Kozig Gabriel. Et je pense que c'est Bègue Pierre ou Gisper Cantey, je ne sais plus. Je sais plus. Je ne vois pas d'ici. Ah, on ne le voit pas, mais bon, Kozig est sorti. Donc si on va passer, on vous le dira quand ça sera un peu plus proche de nous. À introduction pour Cul-de-Sac, ça y est, le ballon est sorti. Ça bataille, hein. Ça sort, 89, allez. Classique. Après le classique, c'est je crois Madrid, hein, je crois qu'il ouais, est c'est ça. Jérôme Madrid, qui est rentré. Joueur trapu, on envoie les gros. Allez, baisse. Baisse qui est rentré encore. Allez, encore ce demi-levelé remplaçant qui... Avec qui le se 22, fait normal, le 22, ouais. Garcia Luis. C'est Luis Garcia qui rentre. Allez, on écarte encore. Allez, encore Bess. Bess qui rentre. Bess qui a cassé le premier placage. Oui, il s'est mis à la faute. Et ça joue vite. Avec Bugat Adrien. Non, l'arbitre siffle. C'est Osso, là. Osso. Ah, je sais plus si c'est Osso, le 9, ou si c'est Bugat. Je sais plus si c'est Osso le 9 ou Bugat. Je demande à un journaliste de... C'est Bugat le 9. Est-ce que c'est Osso ou Bugat? Le 9 c'est Bugat. Ouais c'est top. Ils ont changé, c'est pour belle ça je sais plus. Belle touche. On peut porter... C'est Bugat le 9 et Osso le 10. D'accord. Bon. Allez, ça sera une touche qui est trouvée à hauteur des presque des 22 mètres. Lancé Bouygues Gabriel pour l'US Ascoise pour les Béarnais. Alors on va voir comment les Béarnais vont réagir hein, depuis tout à l'heure. Ouais, ils sont chahutés, ouais. Ils ont fait le 19 là. Scheuer est haut, des gracs quand même. Voilà, au fond, il y a El Goyen aussi qui fait pas mal de moissons dans l'équipe. Hein. Pas mal de moissons dans le ballon. Il faut se rassurer. Hein. Il faut se rassurer, ouais. Puis c'est, ça sera au fond. Au fond. Voilà. C'est bien pris, l'arbitre aussi, tout est bon. Et voilà, on amène au sol, bras levés, avantage. Pénalité. Attention, vous jouez à 14 déjà, côté Cul-de-Sac. Et le 21 qui va passer, mais ça a été subtilisé. Donc on va revenir à la faute. L'avantage ne profite pas, on écroule le môle. Tout à fait. À 10 mètres. C'est tous les 6 mots qui ont dépassé les bras. On est juste devant les 22. Attention, c'est vite de jouer. Ça joue. C'est ça vite joue. De jouer du 9. Le 14 qui va aller en dame. Et qui est pris par la patrouille. Ouh, attention, on est à 5 mètres de la ligne du côté de l'US Ascoise. Petit. Allez, au côté Thibault Lassalle qui donne un Scheuer qui est pris. La balle. Ouh, belle défense de le Cul-de-Sac. Attention pour l'US Ascoise. Voit, ça commence à se... Thibault Lassalle. C'est un anavant, il y a un anavant de la place de l'US Ascoise. Et très bien défendu de la part de William Cul-de-Sac. Alors l'US Ascoise a voulu jouer vite, effectivement. Ouais, c'était bien joué, mais super bat Thomas, il s'est fait prendre quand même. Hein. Donc est-ce qu'il fallait pas prendre les points? L'avenir nous le dira. Ben, je sais pas. Je pensais quand qu'ils on voit la réussite, points, quand ouais, on voit la réussite de Perrot ou Thomas, est-ce que c'était judicieux de le jouer vite? Je sais pas. Je pense pas. Allez, introduction de Garcia Luis. On est mis sous pression quand même du côté de Cul-de-Sac. Vous voyez Cul-de-Sac. Allez Luis qui va donner certainement pour son. Ah on joue vite, on est joueur, on joue vite, il passe. Passe, en avant de passe. En avant de passe. Monsieur l'arbitre. Les arbitres sont attentifs. Hein. Monsieur l'arbitre, ouais, l'arbitre de touche était à côté. Mais cette équipe de Moulin Cul-de-Sac joue quand même. Attention. On va se retrouver avec une mêlée juste devant les 5 mètres pour l'US Ascoise. Introduction. Pour le numéro 21, tous les Simon.
Olivier Simon qui a remplacé Bugatti alors. Hein. Qui a remplacé Bugatti. Non, Bugatti est passé à l'ouverture. Ouais, c'est Osso, Franck Osso qui est sorti. Qui est sorti tout à l'heure. Bugatti ouais. Est passé à l'ouverture et donc c'est. C'est tous les Simon. Allez, production. Allez, tous les qui écartent. Écartent à Bugatti. Bugatti qui fait une sautée. Sur le deuxième attention, centre. Cet arrière. Attention en bout de ligne. Oh là là. Il est bien pris. Il est bien pris, il est plaqué. Ouh, il est retourné. Ouais, c'est bien pris, il est ramené chez lui. Et allez, on insiste avec allez, Thibaut Lassalle. Thibaut Lassalle qui est bien pris encore. Qui n'est pas isolé. Et qu'est-ce qu'il y a, monsieur l'arbitre? Monsieur l'arbitre, on ne le voit pas. On ne voit pas du tout ce qu'il a sifflé. Il y aura une pénalité. Une pénalité. Encore une pénalité pour... contre, ouais, l'arbitre, contre l'arbitre de touche qui appelle l'arbitre central, il a vu quelque chose. Hein. Et ça sera contre Cuxac. Mais ils jouent déjà à 14, non Cuxac? Ils jouent déjà à 14, ils ont un carton blanc. Alors attention. Il appelle les deux capitaines. Donc c'est Ubeda Théo qui est appelé par l'arbitre. Les deux capitaines. Avec la salle de côté. Ah, il va rappeler un joueur. Il va rappeler qui? Il va rappeler l'arrière qui s'est mis à la faute. Laurent Belot. Laurent Belot qui va prendre un carton jaune sur la vague. Carton jaune de Laurent Belot, attention. Et donc Oubéon qui se retrouve à 13 contre 15 pendant encore quelques minutes. Le numéro 18 qui a pris le carton. Le numéro 13 pardon qui a pris le carton blanc tout à l'heure. Cribaillé Hugo qui va pas tarder à faire sa rentrée. Et heureusement, hein, ouais, Cribaillé ouais. Qui a marqué un magnifique essai en fin de première mi-temps. Heureusement que Cribaillé va rentrer, mais bon, peu importe, pour l'instant on joue à 13, il y a une touche en faveur de l'US Aspoise. On est à 5 mètres de la ligne pour un lancer. Bouygues Gabriel, ah, attention voilà. Ah, mais, le carton blanc qui rentre. Au meilleur moment, mais bon, c'est peu importe. Mais ils sont toujours un de moins. Ils sont mis sous pression avec le lancer de Bouygues Gabriel. On a vu El Goyen qui prend des ballons en touche, on a vu Pony Clément qui prend des ballons. Attention. Il y a Miranda Rey aussi, Lissac. Le Goyen. Et ça fait le gros compte. Ça va le bout. Alors pour l'instant, il y a eu l'écroulement, l'arbitre n'a pas tendu le bras. On est juste devant la ligne. Hein. On est juste devant la on ligne. On est juste devant la ligne. Hein. Alors, on met les barbelés du côté. On peut partir à droite. On met les barbelés et ça plaque. Hein. Voilà. Ça ferraille du côté du Cuxac. Et voilà, essai. Et ça sera un essai de la part de... je sais pas. On n'a pas vu qui avait marqué l'essai. C'est le numéro 5. C'est Roublanc pour rentrer. Roublanc Corentin. Et l'US Aspoise qui passe devant. 24-21 avant transformation. Et qui a fait se lever tout le côté de la tribune rouge et blanche. Hein. Eh ouais, il y a pas mal de monde du côté du club des Pyrénées. Ouais, il y a du monde tout autour du terrain. Les tribunes sont quasi pleines, elles sont pleines. Hein. Les tribunes sont pleines. Hein. Il y a du monde des deux côtés. C'est du côté, et c'est bonne ambiance. Ah oui, bonne ambiance. Du côté, que ce soit du côté audois ou du côté des Pyrénées, les Béarnais, franchement, belle ambiance avec une affluence spectateur. Et d'ailleurs même sur les Vécois, on voit qu'il y a du monde, il y a beaucoup de monde aujourd'hui à Riem. Et je vois trois joueurs de remplaçants de l'Entente Audoise qui reviennent vers leur banc. Tout à fait, bon. Ils vont faire un début de 9. On le sait qu'elle a besoin de 9, cette équipe de Julien Cuxac. C'est pas fini, il y a 23. 21-24, 3 points encore. Bon, si la traîne sort, ça fera 5 points, on est toujours à un essai. Et ça passe à gauche. On reste donc à 21-24 pour l'US Aspoise. Premier échec hein, donc pour le numéro 15, Perotto Thomas. Je crois qu'il a manqué de pénalité, me semble. Hein. Me semble. Allez, ça sera un renvoi. Le bon gosse à Jean-Baptiste, c'est ouvert. Allez, on va jouer plutôt de l'autre côté, c'est départagé. Et on le joue loin.
C'est toujours ce diable d'arrière Perrotou qui s'embête pas et qui trouve, ma foi, une belle touche. Et qui va être vite joué par le Victien. Gorgoza. Gorgoza qui va donner. On joue sur le 16. Qui tape au pied. Attiel Kemak. Attiel Kemak qui trouve une touche. Ah ouais, apparemment la touche serait directe. Ah, c'est vrai que les touches sont larges, donc on ne voit pas. On va pas bien, on l'a touché direct, bon, mais voilà, ça sera un renvoi. Le 16 à Thiel Vincent. Ça sera un lancé pour lui, ça se pose. Ouais, tout à fait, talonneur qui s'est pris pour un 10 ou un 15. Ouais, tout à fait. Ouais. Allez, ça sera un lancé pour Will Gabriel. Mais encore cette équipe de l'US, ça se pose, qui met la pression sur cette équipe audoise. Et pour vous voyez en cul-de-sac, voilà. Le numéro 4 d'Elpes Jordan. Et le numéro 18. Allez, le 6, Pony Clément qui a bien pris le ballon. On se forme autour de lui. On a pris la mesure des touches au niveau de l'ES, ça se pose. Ouais, ça y est, on a réglé la mire. On a réglé la mire. Premier arrêt annoncé par l'arbitre. Allez, encore le ballon va être au sol, il va être redonné. Ouais. Finalement, à l'équipe de Cuxac. Très bonne attitude sur les ballons au sol, vous voyez en Cuxac. Hein. Ouais, ça l'est. Tout à fait. Donc, le numéro 18 d'Elpes Jordan, le numéro 4 pour Loïc. Qui vont faire leur entrée. C'est le water break. Water break. Ça va faire souffler un peu les organismes. Les entraîneurs vont en profiter pour donner quelques consignes. Parce qu'on sent quand même un peu d'affolement au niveau de Louvain Cuxac qui ont du mal à rentrer dans cette seconde mi-temps. Hein, ouais. Avec une archi-nomination au final de l'US Aspoise. Concrétisée par. Une domination, pas forcément, mais. C'est eux qui ont les intentions de jeu, c'est eux qui progressent, et c'est eux qui marquent. C'est eux qui ont marqué. Bon, et on a passé toutes ces 20 premières minutes dans le 4 quand même. Dans le camp au doigt, ouais, c'est vrai. Donc, c'est pour ça que je te dis archi-nomination parce que. Pour l'instant, Louvain Cuxac ne fait que défendre. Voilà. Et à force de défendre, on prend des points, c'est normal. Ça fait partie du jeu. Mais enfin, ils ont encore des ressources, cette jeune équipe Louvain Cuxac. Moi, je les sens encore en fringale. On voit Kiko qui parle à ses troupes. Hein. Voilà, tout à fait. Ouais. Voilà, il faut remettre un petit peu les pendules à l'heure, hein, comme on y est. Voilà, c'est pas fini. Ce trophée, j'allais dire ce bouclier, non, ce nouveau trophée, ce coq d'or. Le coq. Le coq de la FFR. Alors est-ce que ça serait notre ami Cédric Soulette qui aurait fait ce coq? Bonne question. Tu sais que Cédric Soulette fait essentiellement des coqs. C'est possible, hein, c'est possible. Hein. C'est possible. Allez, le waterwalk est terminé. On a vu la rentrée de pas mal de joueurs. Hein. Le 21, Ravid Maïchon. Le 18, Alors que du côté de l'US Aspoise, on voit Lassalle Amaury qui va faire qui va re-rentrer, qui vient de jeter son chasuble. Tout à fait, ouais. Tout à fait, on le refait rentrer. Et on repart donc sur une mêlée, introduction audoise. Introduction pour Louis Garcia. Pour les Orange et Bleu. Et ouais, tout à fait, Louis Garcia. Allez, on voit rentrer Guyenne qui rentre. Amaury Lassalle et le numéro 20, Mirandré Sylvain. Ouais. Le premier des Mirandré. Ouais, le 22 est là, son frère aussi. Il est sur le terrain aussi, le 22. Le 23. Non, le 22. 22. Alors que Scheuer sort aussi, Léo. Voilà, Scheuer sort. Je pense que Pony Clément, le 06. Pony Clément aussi. Il sort aussi. On a fait rentrer du 7-9. Allez, introduction Garcia. Introduction Luis Garcia. Ça part petit côté. Allez, on rentre dans un côté fermé avec sa troisième ligne. Luis Garcia qui va insister. Qui va insister. On envoie Attiel Vincent. Allez, on a l'impact player d'Ouveillant. Allez, on insiste encore. On insiste. On envoie. Allez. Alors que c'est le 16. C'est le 16. Attiel Kemal. Attiel Kemal qui est pris. Récupéré. Et ça sera une pénalité pour. Récupéré. Attention. Attention. Là, non, pas par le numéro fois, 18. Hein. Récupéré par le numéro 18. Sedé Etienne. Attention à cette équipe de l'US Aspoise qui va pas.
Les Béarnais sont revenus en deuxième mi-temps avec beaucoup des intentions complètement changées. C'est plus hermétique en défense, parce qu'en première mi-temps, c'était un peu... je ne vais pas dire que c'était une passoire, mais ils n'étaient pas forcément en place, manque de repères. Hein. Et là, depuis le début de la deuxième mi-temps, force est de constater que les choses sont réglées. Hein. Et puis cet arrière Perrotou qui anquille tout aussi, attention, de ne pas lui donner la possibilité d'aggraver le score. Hein. Eh ouais, cette équipe d'Ouyak-Chak s'est mis à la faute par le biais de d'Atien Clément qui s'est un peu isolé. Et voilà, et puis on est venu gratter le ballon. Et l'arbitre, bien sûr, monsieur Collier Julien, pénalité. Mais pour lui, ça se pose. On va voir si Perrotou est encore dans les. Ça rate. Et ça va faire avec 7 avec Pierre. Hein. C'est avec eux, et il joue encore. Hein. Ouais. 6 points de l'écart, c'est 2 pénalités, c'est MSC transformé. Allez, bonne voix à Jean-Baptiste. Renvoi court. Renvoi court qui a été en cette fois-ci. En avant bleu. Attention. En avant bleu. Attention, on laisse trop jouer du côté du LUS. On les regarde. On n'est pas vigilant. Joue le 7, les Goyen. Les Goyen qui donne à Bugat. Bugat qui lui va taper. Juste dans le trou du terrain. Il va taper là le trou. Il sait qu'il n'y a pas l'arrière, à l'arrière après carton jaune. C'est Roujas. Roujas qui lui, attention de ne pas s'isoler. Roujas qui rentre. Il perd pas le ballon. Mais attention, il faut le soutien. Allez, on écarte encore. On revient dans le petit. Et ça va aller en touche. Attention de ne pas faire n'importe quoi. Le mouvement en rugby. On les voit. Est-ce qu'il aurait mieux ne pas fallu temporiser la sortie de balle, revenir chercher les gros, refaire un point? Ah, tout à fait. On sait que cette équipe de Nouvelle-Cuxac perd un petit peu son rugby. Ouais. Ce rugby qu'ils avaient en première mi-temps, ils l'ont un peu perdu. Et mis effectivement sous pression par l'US Ascoise qui demande. On voit Perrotou hein, qui parle à son ailier au numéro 14, Superbat Thomas, qui a une combi annoncée. Hein. Ça va venir, rapidement. Ouais. Et on voit aussi ce diable de. Karasumi aussi, Jérôme, qui est venu s'intercaler, regarde, Karasumi qui s'est mis l'ailier, donc attention, il y a du surnombre, c'est tapé, c'est Perrotou qui va donner, et qui va aller tout seul. Et ça va au bout, c'est magnifique, magnifique, et c'est le Perrotou, Thomas. Et c'était annoncé, c'était annoncé, cet essai était annoncé, on l'a vu parler à ses joueurs, annoncé, écarte, magnifique essai. La défense un peu trop resserrée et les 10 qui en bonne lecture avec un petit coup de pied juste derrière là, dans le dos de la défense avec une bonne longueur. Eh oui, on voit alors que l'arrière Belou Lourang rentre après carton jaune. Et c'est vrai qu'il a manqué sur cette action, hein, on le voit. Hein. Ils avaient vu la combine hein. Et ce diable de Perrotou, cet arrière Tony Truand qui anquille tout d'ailleurs hein, qui anquille tout depuis le début du match. Eh ben, il est à son deuxième essai. Un bel essai quand même bien amené par, par Bugat. Et sachant qu'il avait encore le soutien derrière de son ailier. Ouais, hein. Non, mais il y avait du surnom moi. Il avait du surnom, c'est bien joué de la part de cette équipe du SS Poisson. Ben, attention, le cochon est dans le maïs. Comme dirait Roger Coudert. Et ça passe. Ça passe. Hein. Ce qui nous fait 34-21 pour l'US Ascoise. Ouais, le Béarnais qui commence à prendre le large. Hein. Qui commence à se nourrir des fautes et de la constance des bleus oranges, des oranges et bleus. On va voir la réaction de. Eh bien, d'Ouyak Chak, il faut qu'il se lance la bataille. Suite, hein. Et. Super prise de balle. Corentin Rouglan, qui fait son match, seconde de ligne. Il se fait mal avec. Il est mal retombé. Allez, Bugat. Les deux ont pris un petit choc. Attention, il est hors jeu le 7. Hein. Alguien est hors jeu, monsieur l'arbitre. Alors, le 7 il est hors jeu. Le 7 de. Mais il était là. Vague, mais il était là. Ouais, non, mais après, il est parti de vague. Hein. Alors, on se retrouve avec une mêlée. Juste devant les tribunes
avec une introduction ouveillant Cuxac Salel. Avec un blessé, certes, là-bas du côté de... Ah, c'est le numéro 5, hein, Roublan. Ouais, Roublan qui a fait son match. Hein. Ouais, t'as dû prendre une petite béquille là sur la récupération, est, sur le coup d'envoi. Il est sur les rambois, il est partout. Hein. Il marque l'essai, il est sur les rambois. Non, le gars. Il est au fond, on parle des frères à la salle, mais lui. Allez, introduction Garcia. Fais pas rire le boulot. Hein. Pour Ouveillant. Allez, Luis Garcia. Allez. On a tout le grand champ. On envoie sur le 13. Bien pris. Rébaillé. Contre Ruck. Ouais, c'est juste. Hein. On a du mal hein, encore. Ouais, le casque est rentré. Qui essaye de donner un peu de rythme. Allez. Le capitaine. Pour Étienne. Allez, on y est. Ouais, c'est bien pris. Hein. Atiel, en avant. Il y a un en avant non, le casque. L'arbitre dit en arrière. Atiel Clément qui rate très l'ouverture. Ah, hein, c'est bien défendu. Hein. Il est défendu, ça se pose, pour l'instant on n'avance pas de mètre hein, au niveau du Yann Cuxac. Allez, Carrère Vissac qui est bien pris. Et bon, on a encore le ballon, Louis. Allez, Louis Garcia qui donne à ses avagues. Ouais, qui joue bien, il essaye de les remettre dans le sens, hein, parce que depuis tout à l'heure... On essaye, ouais. Allez, Atier Vincent. Allez, Atier Vissac qui donne. Et Bordeaux. Bordeaux qui est passé au centre. Hein. Et on reste pas sur les appuis, c'est dommage, il était de suite dessus. Allez, on la joue vite. On la joue vite, on la joue vite. Avec le capitaine qui donne. Ouh, bien joué ça. Ouais. Allez, Louis Garcia qui écarte. Encore, le capitaine. C'est le moment pour rien. Hein. Allez, c'est Crivalier qui a été pris. Encore, on écarte. Encore le capitaine qui va donner. Bon, on va se jeter au pied. Attention à la lutte avec les liés. Ouais, ça joue. Droite. Ça s'en va là. Ouais, ils sont obligés, hein. Ils ont encore pas mal de points à récupérer. Et il reste 13 minutes, hein. Ils savent que s'ils réagissent pas maintenant, ça va être compliqué sur la fin de match. Il faut marquer le plus rapidement possible. Est-ce qu'ils vont nous faire le coup de la demi-finale, Cuxac? Ils sont capables. On sait qu'à l'envie, c'est une équipe qui a un cœur énorme. Ouais, ça lâche pas. Ça lâche pas, mais bon, ça va être un renvoi. Un lancé pour... Gabriel qui a fait son match, hein, qui a eu du mal à se relever là. Ouais, tout à fait. Et à noter encore une belle image de rugby, hein, c'est le capitaine Audois qui lui a tendu la main pour le relever. Ah, tout à fait. Ouais. Allez, c'est la salle qui a récupéré le ballon. Et c'est Bugat. Petite touche. C'est Bugat, petite touche qui mais on sort de ses 22, qui fait du bien. Allez, alors que le 16 arrêtez Yann qui rate sur le terrain et justement et il ben à la place de Bouygues Gabriel hein, qui aura fait son match. Ouais, hein. Qui souffle un peu quand même. Ouais, on voit les. Et c'est il le est rouge. Il est le mâché. Rouge on va dire. On doit l'appeler le rouge, je pense. Tous les talonneurs quand on les fait penser un peu à deux rougemont. Le vaillant talonneur toulonnais. Et le numéro 16 pour Cuxac, Atiel Vincent qui vient de faire sa sortie également. C'était un sacré déboulé. Un sacré déboulé de Cuxac. Il y a allez, un en avant, jaune et bleu. Un en avant, jaune et bleu. On est parti trop vite, c'était pas lié quand allez, on est au 18, sol. C'est dommage, on perd des munitions. Allez, Baron Louis qui est pris. Il a fait une faute. Allez, ça serait une production pour tous les Simons. Cette équipe de l'association qui est quand même mise sous pression depuis 3-4 minutes. Ouais, ouais, mais qui ne lâche pas. Hein. Qui ne lâche pas, bien sûr. On laissait quand même beaucoup plus serein qu'en première mi-temps. Tout à fait. On est l'arrière. Perre tout, qui lui trouve la touche. On joue simple, on joue pragmatique, on se rassure. Tout à fait. Carton rouge. J'ai pas suivi. Carton rouge pour le numéro 18. Carton rouge. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ah, cette équipe de Cuxac qui sort du match peut-être. Il annonce un mauvais geste. Attention, 18, il reste encore du temps de jeu. C'est bien dommage. Delpech Jordan qui se fait sortir alors qu'il venait de re-rentrer là. Sur la mêlée, mauvais geste sous la mêlée. Un peu d'agacement sûrement. Certainement. Ouais, ça s'accroche un peu. Parce que bon, ça n'a pas été un match correct hein, dans l'ensemble. Non, ça a été correct dans l'ensemble. Il n'y a rien du tout, rien à dire. Ça joue mieux, sur les deux équipes. Correct. On le voit à chaque fois, les gars se tendent la main pour se relever l'un et l'autre. Tout à fait, c'est engagé, mais c'est très correct. Faudrait que ça reste comme ça.
Allez, Pierre Autou qui lui encore trouve la touche. Qui a cherché une touche allez, c'est sur la ligne des 40 mètres. Ça sera bien sûr un renvoi, enfin un lancier encore pour. Allez, pour lui, ça se pose. Hein. Ouais. Allez, le 22 qui vient de rentrer. Le 22 lui, ça se pose. Avec un lancer, ouais, exactement, d'arrêt. Osso, Franck aussi qui est rentré. Et c'est le numéro 21, il me semble, Tolesimo, non, qui sort ou le centre. Je sais pas. Bon, c'est le 13 et l'Oise, Carafoumé qui est sorti aussi. Subtilisé. Allez, Garcia Luis qui. On voit sur le banc, ça lève les bras du côté du banc au doigt. Le ballon a été subtilisé quand même par les Audois. Ben oui, encore une fois. Hein. Encore une fois, allez. Allez, ce diable de Benjulien qui rentre. Allez, on remet sur l'équipe de son avance ici. Allez, le capitaine face à capitaine. Hubert Latéo. Ça a été un match dans le match, ça aussi. Ça a été une petite faute, on a la vague. On revient, et voilà. Allez, ça joue vite. On est obligé, bien sûr. Gongoza qui joue tout seul pour lui. Avantage. Ils sont pas divertis, c'est normal. Ils sont pas sifflés par l'arbitre. Allez, c'est bien joué, ça, encore. Allez, le 21 qui garde la balle. Qui laisse le bras en l'air. Ah, le capitaine qui a failli passer, qui a été bien pris. Et on allez, voit, on écarte. Chamaille, hein. Attention. Sur les extérieurs. Sur les extérieurs, Roujas Clément qui revient. Bien pris, hein. Bonne attitude défensive. Ça glisse pas mal, on voit quelques joueurs Il y en a là-bas. Que va dire l'arbitre? L'arbitre revient à l'avantage, ça n'a pas assez profité. Hein. On voit quelques gestes d'agacement, hein. Ça commence. Hein. Je ne sais pas si t'as fait attention. Le numéro 7, El Goyen, qui se fait un peu chamailler par Bess Julien. Tout à fait. Hein. Et Borgoza qui joue vite la touche. Hein. Eh oui, ils sont obligés. On est à la 72e. Il reste 8 minutes. Allez, 10 minutes. 13 points derrière, c'est deux essais. Mais c'est pas fini. Il suffit de marquer une fois et on revient dans le match. Et tu recolles. À l'envie, comme on dit. C'est ça. Allez, Ben Julien qui va faire le lancier. Pour l'instant, toutes les touches que ce soit du côté Aspois ou du côté Audois ont été malmenées. Allez, c'est le bac. On respecte pas le couloir. Tout à fait. La Bugatti a le ballon. On respecte pas le couloir. Ce sont des fautes bêtes. Hein. En deuxième mi-temps, ça fait beaucoup de munitions gâchées, bêtement par l'entente. C'était un bon ballon à négocier. Malheureusement, allez, c'est Bugatti qui tape. Et le ballon qui vient sur les tribunes. Ça sera encore en ramois. Enfin, un lancier pour l'équipe audoise qui ne sait plus par où commencer d'ailleurs. Lancer rouge. Hop. Ça sera encore un lancier pour Julien. Pour Ben Julien qui aura fait son match aussi. Vaillant pilier droit de cette équipe audoise. Allez, Ben Julien qui va certainement. L'arbitre annonce un temps mort. Allez, on va lancer. Il vient vérifier le couloir. On respecte bien le couloir, parce que depuis tout à l'heure. Ils ont souvent été contrés, que ce soit du côté audois ou du côté pyrénéen. Allez, c'est lancer. Et le résultat offensif, c'est bien capté. Le ballon est derrière. Et là, c'est Lamori qui essaie de mettre les mains dessus. Tout à fait, qui est passé dans l'axe. Le ballon est au sol. L'arbitre. C'est très bien défendu par lui, ça se pense. Allez, 10 de plus. Et oui, on s'énerve. 10 de plus. On parle, on s'agace. Manque de maîtrise du côté de. C'est normal. Il y a tout le peuple rouge et blanc là qui commence à se lever, à taper. D'ailleurs, c'est normal. Vous devez l'entendre, au micro, ça commence à devenir compliqué. C'est normal, on sait que la victoire n'est pas louée. Allez. Belle touche, cette équipe du Lens Sport qui va récupérer le ballon. Effectivement, les conditions de match font que Cuxac, deuxième mi-temps, court après le score et c'est difficile pour eux. Alors que Arrêting
le rouge des rouges va faire ce live ici. On reste et un ça peu. Ça sera encore pour Elie. Non, ça sera de vague. Ouais, c'est pas droit, c'est pas droit. C'est pas droit. Donc ce sera un bras cassé. Faut la jouer vite, messieurs, au droit. Est-ce qu'ils vont jouer à la main? Est-ce qu'ils vont jouer à la main? Ouais, ils sont normal, obligés. C'est normal, allez, à ce capitaine. Le capitaine. Umeda, qui le capitaine. Les cartes. Allez, c'est Gomboza qui a le ballon. Il a mis le ballon au sol. Et encore Garcia, Garcia qui essaye de se faire la malle. Limite, hein, c'est limite. Hein. C'est limite. Mais encore Garcia. Elle en envoie le 15. Qui s'échappe. Mais qui est bien pris. Ouais, voilà. Il y a un avantage. Un avantage signalé. Bien joué, c'est bien joué ça. Bien joué par Roujas, desservi par Trébaillier. L'arbitre assesseur a levé son drapeau. Mais Julien à droit de ses mains. À droit de ses mains, Julien. Très beau joueur. Pas facile à récupérer celle-là. Garcia, Garcia. Garcia a failli prendre le trou. Elle est rouge et bleue, reste attentif. Hein. On lâche le corps, on revient petit allez, côté. Baisse. Baisse qui est pigri. Baisse qui quand même peut écarter son ballon. Allez, Luis Garcia. Luis Garcia qui écarte. Allez, on fait rentrer le second de la ligne Théo. Thibaut Lassalle de suite. L'arbitre revient à une faute. Les avantages sont assez longs quand même. Hein. Ça arbitre de top 14. Donc bah, il rappelle son arbitre assesseur qui lui avait levé le drapeau, qui a vu quelque chose. Monsieur l'arbitre. On est à la 76e minute. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire? On va jouer la touche, la pénale touche. Sachant que. Ah, il demande au capitaine de parler à ses joueurs et de calmer les joueurs. Hein. Tout à fait. Allez, on joue à la main. Eh oui, parce que les touches sont très mal jouées. Donc allez, Umeda. Qui rate. Le Goulin qui avait mis la main dessus. Ouais. C'est bien défendu. Thibaut Lassalle. C'est récupéré. Jordan. Ah non, on lâche allez, pas. On gratte à la main. Ah, il faut la jouer vite. Tu vois, l'US Aspoise qui se met de suite à 10 mètres. Hein, qui... Ah, ouais, en avant. Eh ouais. Ça serait une faute. Trop de précipitation. Eh oui. À trop vouloir. Hein. Trop de précipitation de la part de cette équipe d'Ouvillane. On ne peut pas leur en vouloir qu'elle le. De jouer, hein, c'est sûr. Hein. Ouais, ils jouent, ils savent que le salut passera par le jeu, mais bon, le problème c'est que voilà quoi. Il y a une équipe à passer. Ouais, ouais. On ne pourra pas leur vouloir à cette jeune équipe. On voit les joueurs qui commencent à demander à leur public de faire du bruit. On a vu. Ça commence à sentir bon pour les rouges et blancs. Thibaut Lassalle qui levait les bras. C'est un peu l'intox pour l'arbitre. Ouais. Si tu as fait du match, il manque encore un peu, monsieur Lassalle. Allez. Mêlée introduction, tous les Simons pour les Péarnais. Du coup, mêlée chahutée. Mêlée chahutée, parfait. Et c'est la fin du match. C'est la fin du match. Et on a vu la victoire de l'US Aspoise. Elle va être 34 à 21. Voilà, bravo à cette équipe des Pyrénées. Bravo à cette équipe d'Ouvillane-Cuxac. C'est une très belle équipe. Qui a été très malheureuse. Beau match, très beau match. Qui a mené pendant plus de 42 minutes. Mais qui a une seconde demi-temps par des fautes, par des cartons jaunes. Voilà. On voit les joueurs d'Ouvillan qui de suite vont féliciter leurs adversaires du jour. Oui, ça a été joué dans un très bon état d'esprit. Très bon état d'esprit général. Très bon état d'esprit, voilà. Donc, à signaler. Donc voilà, il n'y a rien à dire. Non, non. Cette équipe de l'US Aspoise a marqué les points quand il fallait, amenée par aussi un Pierrotou Thomas qui a été Tony Swag, qui a étillé pas mal de points au pied, ouais, qui a marqué deux essais. Homme du match. Donc ouais, homme du match. Hein, homme voilà, du match. Donc vraiment un beau match, deux belles équipes qui jouent en Régional 2. Donc rien à dire, bien arbitré par monsieur Collier Julien. Dans une ambiance de fête. Voilà. Donc comme vous le voyez, on vous le marque, l'US Aspoise, champion au Challenge France, Régional 2. Ouais, Challenge, ils ont remporté ce Challenge qui au début
On n'y croyait pas trop à ce championnat et puis... Et puis au final, ça reste un championnat. Ouais, un trophée, ça reste un trophée. Une fois que tu l'as, quand t'es joueur, t'es marqué sur le bouclier, t'es marqué à vie. Voilà, c'est pas un bouclier, c'est un trophée. Ouais, c'est un trophée, c'est pareil. C'est pareil, il finira... Ça marque l'histoire de ton club, ça marque une histoire avec des copains, c'est des souvenirs après, Il finira cassé cette année ce soir, ou demain. Joker, on enverra un petit message au frère Lassalle, voir s'ils peuvent nous répondre si le coq a perdu des plumes dans la nuit. Mais moi j'ai un petit pincement pour cette équipe de Douvéan qui après être revenu de nulle part la semaine dernière, voilà, c'est lui s'offrir cette finale. Ils se sont un peu éteints en deuxième mi-temps, c'est dommage. Nous en tant qu'Occitan, c'est vrai, et puis Boissin, on est mitérois, mais on est un peu narboné aussi, pour pas dire carrément narboné aujourd'hui. Et effectivement, tant pis pour cette équipe, ils ont été malheureux. Ils ont été valeureux, ouais. Moi je leur tire le chapeau pour cette saison, parce qu'ils ont eu une saison avec une émission difficile. Ouais, ils ont eu une saison compliquée. Par contre, à partir de janvier, ils se sont resserrés et ils ont fait une formidable saison. Je tiens à les féliciter parce que pendant tout le match, ils n'ont rien lâché, même jusqu'à la fin, vous l'avez vu. Tout à fait. Ils ont essayé d'envoyer du jeu, ils n'ont pas fermé le jeu, ils n'ont pas baissé les bras. Ouais, tout à fait. Et ça, c'est tout à leur honneur. Ouais, mais voilà, ils peuvent être fiers de cette saison. Ils ont fermé le livre, comme dirait Artero, de la ville, le discours d'Armand. Il faut fermer le livre de la bonne manière. Mais ils l'ont fermé de la bonne manière. Ils ont été vaillants, ils ont eu du cœur. Et ça, finalement, c'est le plus important. Le public était présent. Beaucoup de monde du côté de Narbonne, beaucoup de monde du côté des Pyrénées. Quelle belle fête du rugby. Ce challenge, c'est pas une coupe en toto. C'est une belle coupe à aller récupérer, c'est un beau trophée. Moi franchement, on s'est régalé, c'est rien à dire. Voilà, il y a du monde, on voit que les deux équipes sont au milieu de terrain, les deux supporters, que ce soit pyrénéen ou que ce soit audois, sont au milieu du terrain. On voit des oranges, on voit du rouge. Tout le monde se mélange. C'est bien, ouais, c'est chouette. C'est ça le rugby, c'est ça la fête du rugby. Allez, ça va être le moment pour nous de rendre l'antenne. Encore une fois, on vous remercie de nous avoir suivis tout au long de la saison sur les différents terrains. On remercie tous les clubs et partenaires qui nous ont accueillis chaleureusement à chaque fois, avec bienveillance et amitié. Et puis on verra, il y aura des dernières émissions cette semaine à ne pas manquer avec les champions. Voilà. Peut-être pas les champions aussi, les vice-champions, on verra s'ils viendront dans l'émission. À tous les cas, merci à vous, merci à tout le monde. Ouais, merci tout le monde. Et puis, merci à toi, Michel. Et puis vive le rugby amateur. Merci Denis pour la caméra, ça n'a pas dû être facile aujourd'hui, il faisait chaud. Merci Denis, il s'est donné vraiment à fond. On n'est pas arrivé à se connecter, mais vous le verrez certainement en replay. Donc voilà, merci à vous de nous regarder. Et merci à tout le monde. Et puis on se regarde. Donc on vous dit à la semaine prochaine pour les dernières émissions. Et à n'en pas douter, on vous prépare d'autres surprises pour l'année prochaine. Soyez au rendez-vous. À bientôt. Ciao. À bientôt. Ciao.